Bonjour les amis, c'est Wrak, j'espère que vous allez bien. Je vais pas perdre plus de temps à faire une intro ou quoi, parce que déjà j'ai mal à ma tête, je suis complètement crevé, mais je fais cette vidéo pour vous. Donc on se retrouve tout de suite, dès que la conférence commencera, ça commence dans 3 minutes, donc dès qu'on parle de Watch Dogs Legion ou Far Cry 6, on se retrouvera, parce que oui, je verrai peut-être si je mets Far Cry 6 ou pas. Comme à chaque habitude, comme l'année dernière, lors de l'E3, petit manger, un petit chinois, merde, je viens de le défoncer, un petit chinois, pas de mauvaise allusion s'il vous plaît, ça s'appelle vraiment comme ça. Mais c'est très bon le petit chinois, enfin, d'un certain point de vue. J'ai pas de respect donc j'ai parlé la bouche pleine, mais ça fait plus d'un an du coup hein, que les gens étaient... a été dévoilé. Il me semble que c'est un an et un mois. Ghost Recon Breakpoint, le jeu qui a fait décaler Watch Dogs Legion. Putain, il me refait un chinois, ça commence dans 38 secondes. Ah, nouveau chinois. 10 secondes. 9, 8, 7. Bon, j'arrête. Oh là là, j'ai le cœur qui bat. Même si j'ai déjà vu ce qui se passe pour Far Cry 6, ah ça c'est probablement ça ou Légion. Ou Assassin's Creed. Oh. En fait, Ubisoft Forward, c'est genre l'E3 de l'Ubisoft quoi. Ça sera par visioconférence du coup je pense. I'm Neil Kumar, and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Youssef Magid. Today's show is all about getting up close and in depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Youssef, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London. Ah. And see what the hackers of Dead Space are into. Moi, je pensais que ça allait être traduit en VF, mais non, c'est juste les sous-titres. Bon, moi, ça peut nous perturber. The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of someone who was originally believed, but the work of an individual. The criminals. C'est graphisme, mais ça. C'est super. What? Là, je comprends rien. Une première personne, ça se passe comment? Non, je pensais juste une caméra comme ça, mais c'est jamais. What the fuck? Bon, c'est pas des vrais graphismes, hein, vous emballez pas. First, they came for the foreigners, and I did not speak out because I was not a foreigner. C'était pareil pour Watch Dogs 2. Hein. Then they came for the protesters, and I did not speak out because I was not a protester. T'as le métro. Then they came for the journalists. And I did not speak out. Il est bizarre ce trailer quand même. Because I was not a journalist. Genre il est filmé bizarrement, je sais pas. Genre il est rapide, t'as des plans, chacha, plan, personnage est à droite, je sais pas. Regarde la voiture par exemple. I did not speak out. Because I am not a street artist. On espère qu'on aura du gameplay quand même. Ah ça c'est les fameux les fameux hélicos dont je parlais là. Je peux pas donner d'avis hein, vu que c'est pas des vrais graphismes. Je sais plus comment on appelle ce genre de graphisme en fait. Là c'est l'accident hein. C'est stylé par contre. Si on peut faire ça dans ce jeu. Ah quoi, il freine maintenant, on glisse. Attention, c'est nouveau. Ah, le permadef, non? No realized that eventually they'd come for me and there would be no one left to speak for me. Ah, il est pas mort. Tout va bien. J'ai eu David, hein. Attention. Putain, à chaque fois il y en a un qui s'appelle David. Dans tous les jeux que je joue. C'est incroyable. Oui. C'est peut-être la base, je sais pas.
Ah, c'est une fille, apparemment. Enfin, je pense. Ah, le fameux cochon. Well, well, well. Welcome to the resistance. There's a welcome gift. Donc sa première mission, c'est. C'est moi, les graphismes, les visages, tout ça, ils sont bizarres. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. Regarde le nez, il est bizarre, non? Ouais, c'est un film, j'ai bien compris que c'est pas les vrais graphismes, hein, mais... I'm Clint Hawking. Clint has been a long-time creative force here at Ubisoft, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that ça, c'est bien. Was inspired je peux arrêter en pause, hein, pour parler. Legion, and c'était un court-métrage. C'est pas vraiment un trailer, en fait. Incredible artistic on aimerait bien un trailer ou un gameplay, quoi. Ah, voilà. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone. Ça, je sais déjà. Open world, you profile people that are interesting to you. C'est très stylé, mais ça me fait pas pour l'histoire. Play their origin mission. Just help me get some closure, and I'll do whatever you want. Sounds like a dead set. J'ai très peur d'histoire pour ça. Hein. Comment on voulait avoir un charisme pour l'histoire? Into your team, and then they become the heroes of the game and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. Oh, c'est tellement stylé. Peu importe les personnages que t'as, en fait, ça change ou quoi. Ça changera pas trop l'histoire peut-être, mais juste les paroles. Not only, you know, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, you know, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, you know, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Attends, si c'est tout pour Watch Dogs Legion. Ah. London town, a modern metropolis. C'est très joli. Hein. C'est amélioré, hein, depuis la démo l'année dernière, je trouve. Ça, on avait vu l'explosion. Mais pas de ce point de vue-là. Ah, il y en a plusieurs, ma carte. Donc eux, ça serait les méchants, quoi. Albion. Albion, ça serait une sorte de Bloom, non? The government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. He's kindly stepped up to establish order. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. He will stop at nothing to permanently control the city. London will be the first city in the world to be made truly safe. Nigel, je dis que ça serait traduit en français, mais pas trop. Meet Mary Kelly. Ouais, bon, il y a des personnages qu'on avait déjà vus. She and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people. J'aime beaucoup ce genre de ces lieux comme ça. Je pense aussi à de la torture dans le jeu, ben voilà. Ah, ce bruit horrible. With the city out on its ass, it now falls on you to build a resistance and take back London. Ah, ce style de mouvement, c'est incroyable. Faces on, guns out. Any of the brave Londoners you see on the streets can be recruited. On peut peut-être faire de la boxe, hein. Like him. T'as pas de la boxe sur les jambes, mais s'entraîner, quoi. Everyone can become your next secret weapon. Oh là là, c'est tellement joli. First mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters. Ah, c'est chouette tout ça. Eh, ma hype, elle monte, là. Attendez la date, là. Moi, je dis fin d'année. 12 décembre, allez, à peu près. Oh, attends, on a des armes de corps à corps, c'est bien ça. Zip up, get
to work and let's never talk about this again. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de pisser sur les gens, ça parce que. Like everyone in DedSec. On prend un mec de chantier quoi. Pretty much whatever. On sent que toujours jouer avec les véhicules, ça on le sait déjà. On a des armes de mêlée, c'est ce que je voulais depuis le 2. C'est tellement bien. Yes, putain, merci. Oh là 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 là. Niveau gameplay sera bien meilleur que le 2 et le 1. Par contre, l'histoire, c'est juste le point que j'ai peur. Et multi. Oula, c'est quoi ce style de gun? Genre une arbalète, une turfu. Ouh. Les drones, ils ont l'air vraiment forts. Amy is a drone expert. What have we here? A real tech connoisseur. Hate spiders. Ouais, donc là, il nous fera les différentes classes, approches, tout ça. Ouais, ça serait plus furtif. Adorable, creepy crawler. Here we are. Let's class. Mais le château, ça a l'air vraiment bien. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. I'm reading incoming drones. Oula. Bon, bon. Ah, les drones sont meurtriers. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. Oui, ça a l'air vraiment d'être la grosse brute. Ah, des vêtements Albion, c'est stylé. But it'll get you inside. Ouais, donc là, ça serait une sorte d'agent infiltré, en fait. Don't mind me, just doing recon for a bunch of insurgents. However, do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. We're missing the human element here. I can get the defense minister on the line right now. Well, if you feel you must. C'est quoi, l'arme, elle a quasiment pas fait de bruit. Threatening our families, the police commissioner himself, assassinated by terrorists. Well, that seems to be another. J'ai l'impression que ça sera un épisode plus politique en fait. We're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. C'est l'idée, hein, mais bon. That's good. Oula, c'est ce que je pense. The buyers expect high quality stuff. Non, c'est pas ce que je pense. Need a hard nut for this. Impairing our frontal lobe again, are we? Bags, don't disturb me in my natural habitat. On peut boire des verres, ça c'est cool ça. Et pas qu'un verre de bière. And doesn't mind getting his hands dirty. Oh, la patate de fourrin. Oula. T'as vraiment des citoyens quoi qui. Qui veulent te donner des coups. Pourquoi il s'est écrasé une. And he's passed out. Ah, we'll come back to him. You know what? Let's go with someone a bit more professional. Oh, c'est joli. Il y a les mêmes lettres, c'est. Non, c'est pas pareil, mais bon. La façon qu'il a volé tout à l'heure, c'est incroyable. Ils reprennent les systèmes de mêlée du 1 et ça j'aime beaucoup. Vraiment que c'est 10 fois mieux. Some might even call him an artist. Bon, son aimbot est beau par contre. On peut faire des roulades, je crois qu'on en avait vu lors de l'E3, je m'en rappelle plus. Mais ça c'est bien aussi. Oh, il va être 10 fois mieux que le 2. J'espère. Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. Ouf, oh, ce qu'il lui a mis. La conduite alors. Oh, il y a du paintball, le retour du paintball. Eh, le paintball avec les abonnés, ça on va le refaire ça. Ah putain, on va tellement s'amuser les gens. C'est fini. La date.
Le 29 octobre? Plunging the player into a living, le 29 octobre. Ah, fait chier aussi. Là, pendant qu'il parle, je vais m'adresser à vous. Le 29 octobre, les gens vont faire « Waouh, c'est bientôt !» Oui, mais le 29 octobre, je serai en terminale. Et c'est plus les vacances. Et moi, j'ai le bac. Donc, je pense que je ferai un live tous les samedis soirs. Hein. Certainement ça pour Watch Dogs. C'est pas grave. Bon, voilà. Un live pour la cour de Watch Dogs. C'est pas fini, en fait. Je l'ai, la figurine de Marcus. Hein. Par contre, Wrench, je l'ai pas. Peut-être un jour. We get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. And then it happened again in Watch Dogs 2. Ah, ça, je l'avais vu dans Watch Dogs 2. There may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London. So no matter where I dropped them in the city, they would go, oh my God, this feels like Camden. This, you know, this feels like Southwark. This feels like Westminster. C'est tellement joli. When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about it, like that feels so good as somebody who, you know, builds these worlds with care. I love it. La force, hein. Oh, le bout du blackout. Attention. C'est fini. And now some news for Brawl Hall of Fame. Je crois que c'est terminé. Je tiens à dire un petit truc sur Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion, pardon, vite fait. On n'a toujours pas d'infos du multi. L'histoire, je sais toujours pas de quoi ça va parler. Je sais toujours que c'est... Bah, on sait c'est quoi la base de Watch Dogs, mais là... Ça sort le 29 octobre, les gars. C'est dans quoi? C'est dans... Dans 3 mois, à peu près. On a peut-être des petites infos. Bon, je pense peut-être dans les prochains jours, ça va sortir, mais... Voilà, quoi, enfin... Je vois beaucoup dans le chat, là, actuellement, comme quoi il y en a sont déçus ou quoi. Bah, moi, perso, ça m'a fait grimper ma hype. Après, s'ils aiment pas... Voilà. Après, je suis un peu mécontent d'un truc, parce que je suis encore en train de regarder le live, il n'y a toujours pas Far Cry. Les petits gamins, là, je sais pas, de 10, 12 ans, qui font ah, le jeu, il est nul et tout. Ça me casse les couilles parce que, clairement, je le dis. Hein. En fait, ils sont même pas là pour voir les jeux, ils sont là. Hey, est-ce qu'on peut gagner Watch Dogs 2? Parce que Ubisoft a partagé comme quoi on pouvait le gagner. Sauf que c'est sur Twitch, et ces bandes de cons, ils comprennent pas en fait. Et moi, je le gagne pas parce que déjà, d'une, j'en ai rien à foutre, de deux, je l'ai. Et de 3, sur Twitch, il y a 90 000 personnes. Bonne chance. Hein. Mais du coup, voilà, ils l'ont pas eu. Du coup, ils ragent pour ça. Ils font c'est de la merde, le jeu, il pue. Autant de sur Fortnite, je suis désolé. Pour ceux qui aiment bien Fortnite, je dis rien contre vous, hein, mais c'est une façon de parler. Peut-être que Légion sera pas mieux, hein, j'en sais rien, on verra bien. Mais c'est une façon de parler, quoi. Juste du style, retourne sur tes anciens jeux, casse-nous pas les. Voilà. Then we also introduce a lot of new things. Putain. L'accent anglais du mec, tout le monde le dit. Tout le monde sur le chat est en train de me dire son accent, putain. The launching. Everything. J'ai du respect pour toi, mec, mais putain, ton accent. Hey everyone, Phil Spencer from Xbox. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. On Series X, you'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar oui, comme PS5 pourrait faire, hein, t'inquiète pas, mec. T'es pas genre de faire ta pub pour la Xbox. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont sur Xbox. J'ai rien, ça aurait été pour la PS5, j'aurais fait la même vanne. Putain, essaye de faire sa petite pub là, au passage. Il y a quand même une petite Xbox Series X. I hope you will have enjoyed what you have seen today. And that you will love playing these games. I am proud of our teams for delivering an ambitious, broad and creative lineup of games. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have
another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, we have one more thing to share with you. Far Cry 6. Je peux Far Cry ça. Quoique... Attendez. C'est quoi ça, c'est un bateau. Oh, c'est Far Cry, Giancarlo, c'est le mec. Je l'ai mis. Oh putain. C'est quoi ça? Je tapais Far Cry dans le chat, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what? Mais Ubisoft, leurs trailers, à chaque fois, ils sont magnifiques. C'est les meilleurs trailers du monde qu'ils font. Enfin, en termes de jeux vidéo, bien sûr. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais perso, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Chacun son avis, mais... À part ça, enfin... Oh là 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 là... Ce gars, je l'ai vu dans The Mandalorian, dans Breaking Bad ou quoi, moi je l'ai connu dans The Mandalorian, c'est un excellent acteur, il fera un excellent méchant. Moi je veux le retour de Vaz aussi, et il y a des théories comme quoi le petit, c'est Vaz enfant en fait. J'ai du mal à y croire, mais... À cause d'une cicatrice, hein, qu'il y a... Mais bon... Il y en a qui disent Just Cause 5, mais c'est vraiment des cons les gens, désolé, hein, mais c'est Ubisoft, ça va pas être Just Cause, ils sont cons quoi. Ah voilà le petit là que je parlais. Il est bien centré en plus. Hein. Il y en a qui disaient par exemple GTA, Call of ou je sais pas quoi, mais ils sont cons, c'est un truc. Oh là là, Far Cry 6. T'es doux ? Je déconne là ou quoi ? Droit d'auteur. Tu dis Vas, je saute. Il ressemble un peu en plus. Hein. Oh, j'adore cet acteur. Bon, c'est Diego, donc c'est pas Vas. À moins qu'il reprenne un autre nom, mais. Papa. Il lui donne une grenade au calme. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course. Il va retirer le truc. Il y a la cicatrice. Voilà. Complètement taré lui. Il y en a qui demandent GTA 6, mais arrêtez, putain, ils sont cons. Allez, jette. Pardon, mais... Lâche pas ta main, surtout. Hein. Non. Mais, hé... Les graphiquement de l'acteur et tout, c'est... C'est juste incroyable. Oh, c'est bien différent, si c'est dans une ville du style le Maroc ou quoi, ça, apparemment c'était Hong Kong, mais... Ah non, ça a l'air espagnol. Ah, je veux pas une ville, moi. J'aimerais bien trouver un truc un peu... Far Cry 3, Far Cry 4. Ah, donc il va jeter la grenade dans les passants, ok. Enfin, dans les manifestants, pardon. Il y a des gens qui spoilent en plus dans le truc, il va tomber, donc le trailer il va fuiter, quoi. Il va pas tomber. Ça, je l'avais vu par contre, quand il faisait ça. Moi, j'entendais pas les gens derrière qu'ils aient. Quand il fumait son cigare, je l'ai vu ça. Mais c'est tout. Oh putain. Bah au moins la série ça reste pas pareil quoi. Genre à chaque fois ça évolue. Le 5 c'était plus le style country et tout. Et
Oh, le même truc que Joseph, tu sais. Liberté. Et pourtant, je me suis dit, ça va pas être bien, finalement, c'était très bien. Our country is like this grenade, except it has two basic parts. Mais graphiquement, c'est... Je crois que ça sera vraiment des graphismes comme ça, mais ça, c'est des trailers, donc c'est possible. Ça sera un méchant incroyable. Ça, c'est potentiellement le méchant qui peut battre Vass. On verra, hein, mais c'est très compliqué à le battre. Hein. Pour moi, il n'a pas encore été battu. Hein. Comme beaucoup le disent. Ce sont des... Ouais, il y en a qui disent de pas suivre aux images parce que c'est tiré d'une cinématique, mais bon. C'est une cinématique, justement, donc. Genre, tu vas pas montrer les dégâts. Oh, vous êtes pas marrant. Combien? Le 18 février 2021. On a le temps, ok. Perso, je suis pas plus hype que ça. Malgré que Far Cry, ça reste ma série préférée. Mais... Je suis pas plus hype que ça, parce que voilà, c'est pas le jeu que je vais attendre le plus. Far Cry 5, il me semble, je l'avais pas attendu non plus, parce que je me suis dit, ah, ça va pas être bien. En fait, les Far Cry, je les attends pas trop, en fait. C'est ça le problème. Oh, Primal, en fait, j'attendais beaucoup celui-là, mais... Je suis hypé, mais c'est pas le jeu que je veux dire, putain, il le faut demain, quoi. Je veux un personnage principal qu'on va incarner qui parle par pitié. Attends, y'a encore un truc ou... Non, je crois pas. Par pitié, un personnage qui parle. Parce que j'en ai marre des personnages muets, hein. Ça facilite le truc. S'il vous plaît, et Jay, Jason, c'était tellement charismatique. Mais bon, voilà. Du coup, les gens, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pas une réaction, je pense, parce que là, on a tout fait, mais bon, voilà. Il y en a qui continuent à dire nul pour Assassin's Creed et tout, mais moi, je suis pas fan d'Assassin's Creed, mais arrêtez, c'est stylé. C'est stylé, malgré que je suis pas dans cet univers, quoi. Allez, salut les gens.